Amina Torgun a hâte de décorer sa maison maintenant qu'elle est de retour. C'est la première fois qu'elle vit dans cette nouvelle maison depuis qu'elle est partie pour travailler dans la province du Jiangsu, située à l'est de la Chine, en 2017. Toute la famille était excitée et émue aux larmes en se revoyant. J'ai été étonnée par tous les changements quand je suis arrivée l'année dernière. Je n'ai presque pas reconnu ma maison. La famille d'Amina est à Maqid, dans le sud du Xinjiang, un comté situé juste à la lisière du plus grand désert de Chine, le Taklamakan. C'est l'une des régions les plus pauvres de Chine. Pour aider sa famille à sortir de la pauvreté, Amina avait décidé de suivre un programme de transfert de main-d'œuvre lancé par le gouvernement. Elle gagnait environ 4 500 yuan, soit près de 635 dollars par mois, dans une société d'instruments d'optique. Cela équivaut presque au revenu précédent de la famille pour une année entière. Avec ses encouragements, ses deux jeunes frères ont suivi ses traces à la recherche de meilleures opportunités. Mes enfants me disent souvent d'arrêter mon travail agricole car ils peuvent nous soutenir maintenant. Je suis si content de voir leurs énormes changements à la fois matériels et spirituels. Le programme de transfert de main-d'œuvre a prouvé être un moyen efficace pour aider de nombreuses familles à sortir de la pauvreté. Les autorités disent que la volonté des jeunes à aller dans les villes situées à l'intérieur du pays pour trouver un emploi a été grandissante durant ces dernières années. Un matin froid d'avril, plus de 100 personnes sont à une session de formation avant de partir pour différentes villes. Cette jeune femme est pressée de commencer son deuxième voyage loin de sa ville natale. Elle a déjà pendant 3 ans travaillé dans une usine d'électronique dans la province de l'Anhui. J'aimais ma vie là-bas et l'atmosphère du travail. Mes collègues étaient aussi très amicaux. Cette époque me manque. Les autorités locales pour les ressources humaines disent que plus de 1 800 personnes ont été transférées vers des villes situées à l'intérieur du pays pour travailler durant les 4 premiers mois de cette année. Le nombre de personnes qui souhaitent partir est bien plus élevé que cela. Amina a divorcé il y a plusieurs années. Elle a de grands projets pendant la période qu'elle passera chez elle. Je vais d'abord me marier, ensuite nous pourrions repartir pour les villes situées à l'intérieur des terres pour faire quelques affaires. Amina ajoute que ce n'est pas juste pour l'argent qu'elle a décidé de travailler à l'extérieur. L'expérience lui a également ouvert les yeux et lui a donné plus de confiance pour poursuivre une meilleure vie.